Un bien commun, c'est un bien qui est accessible à tous, eu égard aux conditions économiques. Donc, la santé au Québec, l'éducation, je crois que ça fait partie de nos valeurs. Il y a d'autres choses qui font partie du bien commun. Par exemple, le droit à l'information, le droit d'accéder à cette information-là. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on a acquis au fil du temps et des siècles en Amérique du Nord, dans certains pays occidentaux. Malheureusement, c'est pas répandu partout. Mais nous, on a cette chance-là ici. Donc, le bien commun se définit par quelque chose qui améliore la qualité de vie des gens dans leur environnement et qui n'est pas simplement lié à faire des profits. Médias comme la télévision, comme la radio, on peut accéder à ces médias-là complètement gratuits. Il y a des lois qui régissent ça, qui régissent en tout cas la télé et la radio pour assurer une distribution partout à travers le pays. Donc Internet, c'est un peu la même chose. Les gouvernements mettent de l'argent pour justement déployer le réseau parce qu'ils voient que c'est un bien public. C'est géré présentement par des compagnies privées, mais il y a des gens qui militent pour justement créer un peu l'équivalent de ce qu'Hydro-Québec est devenu il y a plusieurs dizaines d'années, en fait, une espèce de monopole contrôlé par l'État. Donc, ce sera encore plus un bien commun, ce qui permettra d'avoir une infrastructure dans laquelle on investirait régulièrement pour l'entretenir, pour assurer une qualité, pour assurer un service égal partout. Et puis ensuite, les entreprises pourraient fournir de la bande passante aux consommateurs. C'est une structure qui reste encore très théorique, évidemment. C'est pas quelque chose qui est appliqué en ce moment, mais il y a des gens qui militent pour ça, donc ça en fera encore plus un bien commun. Mais on voit partout maintenant l'accès à Internet gratuit, les points d'accès Wi-Fi partout, puis ainsi de suite. Je pense qu'il y a une grosse volonté pour en faire justement un bien accessible à tous, puis c'est une bonne chose parce que pas de services sont accessibles sur Internet de nos jours. Je vous dis qu'il y a bien des régions qui ne sont pas desservies parce que les grandes entreprises de télécom ne trouvent pas profit à aller développer des solutions à large bande dans leur territoire. Heureusement, il y a des projets au Québec. On l'a vu dans les médias au cours des dernières années, comme en Gaspésie, par exemple, où les citoyens se prennent en main. C'est ce que je les invite à faire. Puis, ils se dotent d'une grosse antenne, puis ils distribuent eux-mêmes la connectivité Wi-Fi par des solutions WiMAX ou autres sur des territoires plus ruraux, où il y a une moins grande densité de population. Chez Cooptel, où j'étais avant, ils le faisaient, ils ont très bien développé les régions rurales. Ça se fait ailleurs au Québec, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent cette question-là. Mais comme vous voyez, quand l'économique ne trouve pas sa rentabilité, il faut que le citoyen s'en mêle puis il se prenne en main lui-même.